Elle avait le goût des sans limites. Nous buvions parce que nous avions soif. Nous dormions parce que nous avions sommeil. Parce qu'elle l'avait lu, il lui suffisait ses jugements, nus à mes côtés. Nous traversions les étoiles qui flottaient au-dessus de nos têtes. Nous traversions toutes les églises, non sans cette vieille colère qui est une santé. Son orage un instant dans un comble de Paris. Ils jettent leur table par les fenêtres et de ce zap qu'il aimait, des bébés s'agrandissaient tout à coup éloquents. Cette tête de chêne éteignant les colères. On racontait les orges dans des grottes dont je ne savais où elles étaient, mais qui étaient tout de même dans les combles, les malaïkas, ces anges arabes dictaient la fin des combats. J'avais 18 ans. Je savais la nécessité pour le monde de le savoir construit avec précaution, lui assigner, uni, les fonctions du rêve, ajusteur imprévisible, matière débordant de son œuvre, soulageant sa longue future vie, allongeant son corps avec du temps. Dans un moment de silence, écrire le plus clairement possible tout ce qui arriverait. Les lueurs du pâle me devinaient. Il ne faut pas être trop grand clair. Il ne fait pas de doute une pierre possible. Encore un instant d'arrêt. Les photographes s'arrêtent. Pourquoi chercher des signes couleur de feu? Bien sûr, la première fois que vous graviez à l'envers, que vous pressiez en deçà de la vérité peinte à 18 ans, pâtre contemporain qui vous envoie beaucoup d'émotions, ça fait toujours plaisir.